Eh bien le bonjour. Bienvenue sur ce live. Petit live. On fait un petit live, tout petit live, parce que j'ai une émission que j'aimerais bien voir après. On continue sur Chrono Cross. Revival, reboot, appelez ça comme vous voulez. On est donc sur PS4. Et pour l'instant, moi j'aime bien. Pour l'instant, moi j'aime bien. J'ai lu pas mal de critiques que pour l'instant je trouve pas vraiment fondées, mais après c'est peut-être ceux qui attendaient vraiment ce reboot à fond et qui disent ah, oh, quand même, il y a ça. Ce que je peux comprendre. Bon. Allons-y. Pas de raison qu'on traîne. Hein. Square Enix, merci Square Enix pour tous ces jeux, tous ces jeux, bons JRPG. Hop. Alors pour rappel, on est dans le. On a commencé, hein. On a fait 3 heures, hein, donc on est vraiment au début. On a fait. On est dans le monde parallèle. Où on découvre que, apparemment, normalement, on est censé être mort. On a fait la connaissance de Henriette et de Michelin. Et on est maintenant dans le manoir là. Hop. Voilà. On s'est infiltré dans le manoir. Qui êtes-vous? Oui, c'est ça, on est les nouveaux soigneurs. Tout à fait. Ah, ce sont des dragons carrément. Mais oui, Henriette a raison. Comment je dois faire? J'ai qu'à 3 portions à la fois. D'accord, ok. Je n'oublie pas que les dragons ne mangent que s'ils en ont envie. Vous échouez si vous ne parvenez pas à nourrir le même dragon à 4 reprises. Oh là, c'est pas le. Il suffit de les nourrir jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim. Cadeau que je vous offrirai dépendra du nombre de fois où vous nourrirez les dragons. Hein? Les nourrir combien de fois? 10 fois. Non, pas 100! Oh non, mince, j'ai cliqué sur 100. Non. Non, pas 100. 10 fois, c'est bien. Là, j'ai plus de nourriture. Là, j'ai plus de nourriture. Pourquoi il y en a qui deviennent rouges? Ils deviennent en colère? C'est quoi ce bordel? Ah ouais, 100 fois, à mon avis, que c'est un peu chaud quand même. Hein. Y a aussi le cadeau, alors qu'est-ce qu'on a? Genouillère. Ah oui, alors. Il faut que. Du mal. Il faut que j'organise un petit peu voilà, toutes les éléments. Voilà. Alors, on a du bleu. Alors, on va changer.
Le soin, on va l'enlever de là et on va mettre. Mon perso, il est blanc, on va mettre météore. Voilà. Et le soin, il va aller ici. Voilà. Dès le départ, je veux du soin. Alors ensuite, on a du rouge. On a du blanc. Et là, on n'a rien. Alors, elle. Pastille, boule de feu. Elle est rouge de mémoire. Hein. Ah, il est déjà placé. J'avais pas plus de. Alors, secousse. Typhon de feuilles. Alors, lui, voilà. On va lui mettre champ de gravité. Et puis, lui, on va lui claquer une petite bombe de magma ici. Bon, lui, il peut pas se soigner. Tant pis. On va voir un peu comment on peut le faire comme ça. Ouais, c'est ça, Henriette, elle est rouge, ouais. Alors, équipement. Genouillère, c'est lui qui peut les porter. Améliore la défense. Ok, ouais. Oh, sauvegarde, toujours. Ok. Allez. Je sais pas si on doit éviter de se faire repérer dans ce manoir ou si... La lumière là qui tourne, bon. Ah merde, Henriette, elle a plus rien. Oh non, mince, j'avais oublié de la soigner. Bon bah du coup, soin, hein, voilà. Ah, comment gâcher un tour? C'est bien Henriette que je soigne là, quoi. Bon, c'est pas forcément exceptionnel, mais bon, on s'en contentera. Ils sont quoi les gardes? J'ai pas vu. Ils sont jaunes. Ouais, ils sont jaunes. Alors, j'avais regardé. Le point faible du jaune, c'est le vert en fait. Ah, faut que je tape encore une fois. Voilà, et là je peux utiliser. Hop. Voilà. J'ai compris le système de combat maintenant. Il est mort, je crois, non? 51, bim, ouais, il est mort. C'est pas mal. Est-ce qu'on ferait pas un petit coup de magie? Ah, pillage, ouais. Casque d'os. Ouais, au bout d'un moment, le casque d'os. Enfin, on pourra les vendre ou les. Alors normalement les magies on peut les utiliser qu'une seule fois. Ouais, c'est ça. Champ de gravité. Bon, juste pour voir ce que ça fait, hein. Allons-y. Ah oui. Ah, ça l'expulse carrément. 54, bim, pas mal. Ouais, voilà, j'allais dire. Faut pas rester dans la lumière. Voilà, pour le coup, j'aurais pas pu l'éviter, hein.
Ah mince, il y en a un doré, dis donc. On va s'attaquer au doré plutôt, hein. Ouais, bim. S'attaquer direct au plus costaud. Allez, touche-le. Voilà. Ouais, faut que je lui donne deux coups. Comme ça. Ah mince. Comme ça, je pourrais balancer du... Tac. Voilà, hop, comme ça, toi, tu meurs. Non, ce serait peut-être... Il est sur le point de mourir, on va viser quelqu'un d'autre, plutôt. Bam, 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 bam. Ça lui a rien fait ? Pourquoi j'ai l'impression que ça lui a rien fait ? Bonjour, The Trex. Vous êtes dehors ? Comment se fait-ce ? Niveau 3, bah on va utiliser un élément. Météore, tiens, pour voir. Boum. 76, pas mal. Alors on va lui choper un truc. Pillage. Casque d'os, mais j'en ai marre d'avoir des casques d'os. Bon, il est solide quand même lui, hein. Ouais, bah je vais te finir toi. Je vais te finir. Bon, la boule de feu, allez. Et voilà. C'est bien, on trouve plein de pastilles, c'est très bien ça. Ah merde, il y en avait un deuxième qui arrivait. Ah oh, putain. Bon, ils sont que deux cette fois. Claquer un élément tout de suite. Météore. Allez, bim. Voilà, bim. C'est bon. Il est foutu. Hop. Pillage. C'est parti. Bon, je commence à choper le truc, là. Casque d'os, ouais, ils ont vraiment que les casques d'os. Hein. Je devrais pouvoir te balancer de la feuille là. Voilà. Et voilà, une affaire rondement menée. Ah, c'est vrai que quand on connaît les points faibles. C'est quand même un peu plus appréciable. Bon, par contre, attendez, parce que ils sont soignés. Non, ils sont pas soignés du tout. Je comprends pas, par contre, ce truc de soins. 123. Ou alors c'est que pour le personnage principal.
Hop, 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 hop. Putain, je vais me faire choper. Tout bleu, c'est quoi ça? Tout bleu, c'est quoi? Passer en bleu les attributs ennemis, attaque, allié. Ah! Ah, c'est marrant ça. Bon, je vais pas l'utiliser, mais. Bon à savoir. Parce que si on les passe en bleu, moi j'ai pas mal de rouge en vrai. Hein. Allez, on avance. Bon, en vrai, il faut se battre. Hein. Ouais, faut se battre, hein, allez. Vingt-cinq, pas mal. Hop, piège. Casque d'os encore. Ouais, casque d'os toujours, hein. Et nu vert donc pour ce monsieur. Bim! Et voilà. C'est bon, on chope le truc là. Rayon de photon? Qu'est-ce que c'est? Putain, on commence à avoir plein de trucs là. Il y en a un qui a une case de vide ou pas? Ah oui, t'as une case de vide là. Eh ben allez, photon. Décocher un puissant rayon laser. Tac. Là, t'es plein. Ah bah toi, t'as de la place ici. Tu vas mettre tout bleu là. Tac. Donc on a 4 niveaux maintenant. Oula, il y a des gardes. Ils m'ont juste complètement vu dans le noir. Ok. Bah, on va tous les buter, je pense, hein. Oula, ils sont nombreux, dis donc. Ils sont nombreux, ça pue, ça. Faut que je trouve des zones, des sortes de zones, là. Je sais pas si j'en ai beaucoup. Météore, ça touche... Ouais, ça touche qu'un seul. Bah tant pis, on va le lancer quand même. Oh, bah il est mort, super. C'était mieux comme ça, en fait. Ah, il esquive tous les coups. Elle a pas... deux fois boule de feu, elle? Vas-y, on va te claquer tout bleu, toi. Ah bah il garde le jaune quand même. Non, j'ai pas assez, faut que j'attaque encore. Voilà, et cette fois j'aurai assez. Mais pas sur toi, sur toi.
Voilà, comme ça il est déjà bien affaibli. Alors toi on va essayer de te finir. Ah et pas encore hein. Une petite boule de feu. Vu que normalement maintenant t'as du bleu, tu dois être sensible. Ah pas encore. Solide hein. Oh là là. Ah tout de même. Alors on va se tenter un petit rayon de photon, je vais voir ce que ça fait. Hein. Ouh, ça fait mal. J'ai l'impression que le blanc, comme mon perso est blanc, ça fait plus de dégâts. Je crois que derrière, dans la foulée, il y en a encore un. Il est mort. Je crois qu'il y en a un deuxième perso qui arrive dans la foulée aussi. Là. Ça va moins rigoler. Bon, en tout cas, on continue. Ah, du cuivre, c'est bien. Continue à augmenter les stats, donc ça c'est bien. On peut pas rentrer. Ah si, voilà. Alors c'est quoi? Il y a un bouton avec des chiffres. Bon, on le tourne. Hein. Zéro tour vers la droite, zéro tour vers la gauche. Super, bien joué. Comment avez-vous franchi la défense? N'arrive pas à croire que vous soyez tombé dans un piège pareil, bah c'est bon. Oh toi tu sais crocheter toi. Vous êtes vraiment des nazes les hussards. Tu me cherches? Vous avez peur de nous quoi? Poule mouillée, elle fait la provoque, comme ça ils ouvrent. Tu laisses pas avoir. Allez, venez les mauviettes. Mauviettes! Allez, sortez. On va vous apprendre la vie. Non, 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 non. Moi, je vais t'apprendre la vie, moi. Oh, ça va, c'est des soldats de base. Ouais, on va prendre celui du milieu, hein. On va prendre des points de magie, on va prendre des points de magie. Voilà, hop. Allez Henriette, essaye de briller un petit peu là. Prends des points de magie. Très bien. Et ben on peut se claquer direct un petit boule de feu plus 2 là. Allez. -37, c'est bien. Allez Michelin, prends des points de magie toi aussi. Hop, tu as donc la feuille, c'est parfait. Bim. Et hop, et un autre mort. C'est parti. Oh bah j'ai assez pour te claquer toi. Allez.
77, bam! Et les pastilles, allez. Bon, je crois qu'on a atteint le... On pourrait peut-être se déguiser avec ses uniformes. Eh ben voilà une idée qui est bonne. Ça, c'est très bien. Enfin, quelqu'un qui a une bonne idée. Et oh, ah, il m'a démasqué. Direct comme ça, quoi. Bah, ça servait à rien. Ah, j'aime pas. En général, quand il y a des coffres... Les coffrères. Lequel de nous deux tu choisis? Tu n'as qu'une seule chance. Bah, le petit, hein. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous? Ah, c'est pas un ennemi, d'accord. Je pensais que c'était un ennemi. On a gagné 100, d'accord. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que tu racontes, toi? Je ne suis pas en train de rêvasser. Bah, si, un petit peu, hein. Il faut quoi? Il faut une autorisation pour entrer. Merde. Bon, comment on fait du coup? Parce que c'est un cul-de-sac, ça. Ah non, c'est pas un cul-de-sac, d'accord. Oulala. Qu'est-ce que c'est que ces gros bestiaux? C'est la salle du trésor. Il faut une autorisation, d'accord, bon. Qu'est-ce que vous attendez? Donnez-moi le mot de passe. Le mot de passe, c'est le silence. Bah voilà, très bien. Vous pouvez entrer. Oh bah, dis donc. Le jeu, il est sympa avec nous, là. Allez, un coffret. Voilà. Hop là. Bon, on va prendre le gros, du coup, là. Pour faire la différence, voir ce que ça change. Après, je donne un petit coup, mais je devrais peut-être essayer de donner un gros coup. Là. Beaucoup de pognon, là. Sans. Bon, ça change rien. Aérodisque. Ah. Alors, il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait de la place encore. Ouais, bah toi, t'as de la place encore. Tac, allez, aérodisque. Ah, il y a la lance de glace encore. Ah bah, toi aussi, t'as de la place encore. Allez, lance de glace. Je crois que je mets pas assez de soins, je pense. Ouais, sans doute que j'en mette plus. C'est génial. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais la flamme gelée est pas ici. Ah, c'est ça que tu cherches, toi. C'est pas grave. Hein. Prenons ce qu'il y a. Ah, t'es une grosse voleuse, toi. Bon, y a rien à prendre réellement aussi. Il y a une épée. Bon, on va la prendre, hein. Épée de cuivre, ok. Il y a une armure, bah on la prend aussi, hein. Cuirasse de cuivre, bien sûr. Bouclier, bah on le prend. Hein. Bouclier du héros. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Équipement. Cuirasse de cuivre. Ah, ça c'est bien. Bah, on augmente, hein, il me semble. Ouais.
Casque d'os. Putain, on en a plein les casques d'os. Elle non, elle non, elle non. Ah, genouillère. Non, ça descend, c'est pas la peine. Baguette d'os, il a rien. Cuirasse d'os, il a rien. Ok. Bon, le bouclier, du coup, c'est pas encore pour maintenant. Et là, c'est un accessoire. Ça, ça se prend, ça, non? Qu'est-ce que c'est? Il y a un trésor au mur. Le prendre avec précaution, le prendre à toute vitesse, ne rien faire. C'est un piège. Hein. On va le prendre à toute vitesse. C'est sûrement un piège, il vaudrait mieux ne pas y toucher. Les genoux, prends-le. Pendentif de Mithril. Et c'était bien sûr effectivement un piège. C'était tellement évident. Je l'avais bien dit. Mais oui. L'important c'est qu'on a le trésor. Ah, elle dissèque des monstres qui s'est fait. On n'est pas de vrais hussards, comment tu le sais? C'est une grosse allemande? Pourquoi elle parle en allemand? Qui êtes-vous et pourquoi vous nous aidez? Bah ouais, nous aide là, je suis pas sûr. Hein. Bah oui, voilà, qui a parlé de vous aider? La grande savante du manoir Ophid, Ish Lucia. Je suis désolé, je parle pas avant. Elle va me servir de cobaye à. Attrape-les. Et allez. Et allez. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Ils sont verts. Ils sont verts, donc il me faut du jaune. J'en ai pas beaucoup du jaune. On va déjà prendre des points de magie. Alors, est-ce qu'ils font mal? Ah ouais, putain, ils font mal quand même. Hein. Non, je vais te claquer direct un météorite. Ah, il est pas mort. Ah, c'est du boss, quoi. Oh là là. T'avais pas un élément jaune, toi? Ah, si. Mais ce qui me semblait... et hop, il est mort. Parfait. Allez, un peu de points de magie pour Michelin. Bon, on va prendre de la magie. T'as du jaune aussi, toi? Ouais, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Soixante-et-un, c'est pas mal ça. Bon, en vrai, toi, je vais te claquer direct. Hein. Glisser coupé, coupé décalé. Bah, ah, que 40. Ah merde, j'aurais cru plus. Germe. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ils sont morts. Ah, est-ce qu'ils considèrent que c'est un boss? Ouais, ils considèrent que c'est un boss. Ah voilà. Ça c'est pas mal. Deux aérodisques, allez. Wunderbar.
avez surpassé toutes mes attentes en éliminant Mind Bulb. Veuillez partir maintenant. D'accord. Ouais, non, bah, elle nous aide vraiment pas. Il est tout mignon, lui. On m'appelle Pipo. Je rêve de voguer sur les océans avec un énorme bateau un jour. Bah, t'es mal barré, petit Pipo, là. Je dois saisir ces Combadaten pour les étudier plus tard. Ich bin occupé. Je vous laisse partir. J'aime beaucoup la traduction. Pipo, est ist ein Monster évolutif. Il change de forme quand il combat. Est ist du fru. Il est trop tôt pour le tester, alors je l'ai mis en cage. Ne le libérez surtout pas. Bah, si, moi j'aimerais bien le libérer, le petit poupou là. Psst, pourriez ouvrir ma cage discrètement? Bah ouais. Bah si, moi j'y ouvre, hein. Merci, je m'enfuirai plus tard. À la revoyure. Voilà. Petit pipou là. Petit pipoudou. Martensi, qu'est-ce qu'il y a? Vous m'intéressez tous vraiment beaucoup. Je ne peux pas partir maintenant, mais revenez quand vous aurez besoin de Mine Hilfe. Et je suis prête à vous aider. Bonjour, Zeotrex. Oh là. Ah, on est passé de l'autre côté, d'accord. C'est quoi ce gros œil là? J'ai. Découvre plein d'ennemis. J'ai. Alors j'ai. Oh là, bordel de merde! Il est quelle couleur? Il est jaune, bien sûr. Portergeist, bien vu. J'ai compris le système de combat, ça y est. Mais en fait, c'est plus tactique qu'il n'y paraît. On avait dit qu'il était jaune, lui. Ouais, donc ça va pas. Allez, on va essayer de t'abîmer un petit peu. Alors, je fais ce combat, puis je vais vous expliquer. Oh, bah non, remarquez, vu qu'on est en combat. Alors, en fait, tout d'abord. Alors, tout d'abord, les trois couleurs qui sont en haut. Ouais. C'est à chaque fois que j'utilise. Là, j'ai utilisé un sort bleu, donc vous voyez, il y a une tache bleue. Si j'utilise trois sorts bleus, le champ de bataille sera bleu. Si jamais l'ennemi est rouge, ça va le défavoriser. Ensuite, alors, quand on attaque, on récupère des points de magie. C'est le fameux niveau 0, niveau 1, 2, 3, 4. On tape, on prend des points de magie, et comme ça, on peut utiliser les éléments. Donc les éléments, c'est voilà, les boules de feu, etc. Coupé la musique. En sachant que les éléments, on ne peut les utiliser qu'une fois dans le combat. Ils se rechargent au combat d'après, mais dans le combat, c'est une seule fois qu'on peut l'utiliser. Donc c'est un peu comme un deck. Faut préparer un petit peu les sorts qu'on veut utiliser durant la bataille. Faut penser à avoir des soins, etc., quoi. Et pour ce qui est des couleurs, alors. Donc j'avais raison. J'avais raison. L'inverse du rouge, c'est bien le bleu. L'inverse du noir, c'est le blanc. Et l'inverse du vert, c'est le jaune. Ce sont donc les points faibles. Là, l'ennemi est jaune. Et Michelin, il a des sorts verts, je crois. Et en vrai, Gaillette aussi, il y a des sorts verts. Hop, voilà. Donc là, je peux lui claquer un petit vert. Voilà, un petit typhon de feuilles. Voilà, on lui met du vert. 61. Vous voyez que ça fait plus de dégâts que la lance de glace là qui a fait un petit 40. Oh là là là. Ah d'accord, il sort des ennemis. Ah l'enfoiré. Ah non, il en sort combien? Oh non! Putain, il en sort. Il est costaud l'oiseau là. Gaillette, il avait du vert, Gaillette. Ah voilà. Et donc vous voyez que voilà, le vert s'est mis. Donc là, on va avoir un deuxième rond vert.
120. Voilà, on voit que effectivement, ça lui fait quelque chose. Henriette, elle a pas de verre, par contre. Elle a pas de verre, donc on va lui claquer... Allez, que niveau 1. Bon, on va lui claquer une boule de feu. Allez, hop. Parce qu'il faut absolument bousiller cette porte. Solide, hein. Gaillette, il lui a claqué du 120 et... Et toujours pas, quoi. Non, je vais garder. Ah bah, il est mort. Parfait. J'ai des nouveaux sorts. Et Gaillette a des sorts blancs. Et comme lui-même est blanc, ça fait très mal. Faut que je retape encore un coup, voilà. Et on va lui chaparder quelque chose. Chargé pour garder la zone verte. Bah, ça sert plus à rien vu que la porte est morte et que lui, là, il est bleu, par exemple. Ah, y a que niveau 1, Michelin. On va attaquer encore un petit peu. Ah. J'aimerais quand même vous montrer les nouveaux sorts que j'ai. Voilà, champ de gravité. J'aime bien comment les ennemis s'envolent. Et ils font très très mal ces sorts-là. Rayon de photon. Ah, je peux pas encore. Faut que j'attaque encore une fois. Ah mince, il est blanc l'oiseau. Ah bah du coup ça lui fera pas mal. Mais bon, c'est pas grave. Et le météore, très sympathique. Ouais, c'est ça, le truc de gravité, c'est dégage quoi. 65. Et encore, l'oiseau est blanc. Donc je pense qu'il aurait vraiment eu très très mal. Bon, y a pas moyen de finir avec une petite magie là. Petite décharge. Ouais. Voilà. Alors aussi, en fait, on augmente beaucoup les stats quand on tue des boss. En fait, on peut pas faire de leveling dans ce jeu. On peut pas faire de leveling, on peut pas dire allez, je vais aller farmer des ennemis pour prendre de l'XP. Ça marche pas comme ça. En fait, c'est à chaque boss, il y en a 20, 22 je crois, qu'on monte de palier. Et là, tous les petits trucs comme ça, ça permet de... entre guillemets, entre chaque palier, ça permet de gonfler ce qu'on peut gonfler. Mais il y a un moment, ça s'arrête. Il y a un moment, vous aurez beau faire plein de combats, vous prendrez plus d'XP du tout. Pilule jaune. Alors pourquoi jaune, du coup ? Il y a des pilules rouges, des pilules jaunes. Bon, c'est un labyrinthe, hein, ce casque de cuivre. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On va le mettre à elle, en vrai, parce qu'elle se prend souvent des coups, j'ai l'impression, elle. Ah, bah, le pendentif de Mithril. Ça augmente sa défense. Ah, le casque de cuivre, c'est mieux, quand même. C'est Matrix, ouais. Et lui, si jamais il prend le pendentif de Mithril, bah c'est bien, ça augmente la défense. Allez. Allez. Alors par contre, j'espère que je trouverai un endroit pour sauvegarder avant d'aller à l'autre émission. Attention au piège, ne touchez à rien. Baf. C'est tentant quand même. Bah, je suis bloqué. Vous devriez pouvoir pousser ça. Ah, c'est bon. J'allais dire, mince, pour finir bloqué quand même. Hop, puis on va le ramener là-bas du coup, j'imagine. Allez, avance.
C'est pas... Ces trucs-là, c'est pas optimal. Là, clairement... Il n'y a pas de bouton pour choper, en fait, donc... Qu'est-ce que c'est? C'est des gros ennemis? Oh là là. Pourquoi j'ai fait ça? Ça se trouve, ils vont être hyper balèzes. Alors, ils sont quoi, eux? Ils sont bleus. Ah bah, ça tombe bien, parce que du rouge, j'en ai plein. Alors, qu'est-ce qu'ils... 5? Bon, ça va, ils font pas mal. Ah, je veux pas mourir. Bah, on peut le claquer tout de suite. Du rouge, là. Boule de feu. Allez. Bim, 72. Et hop, il est mort. Voilà. Comme ça qu'on fait. Vous avez vu comment il s'appelle? Il s'appelle Molas. Ils sont comme vous. Ils sont tout mollasses. Qu'est-ce qu'on peut leur voler? De la bile. Ils sont vraiment comme vous. Hein. Lui, il a pas de sort rouge, je crois. Hein. On va faire... Ah si! Mais j'ai pas assez de points de magie. On va faire un petit champ de gravité. Dégage! Vous êtes en mode molasse plus level 1000. Je savais pas que c'était possible. Wouh! Je trouve ça excellent le... qu'ils aient pensé à faire l'ennemi qui dégage. Et on a de la bile. On doit se faire les trois. Bon, on va se faire les trois. Hein. Dommage qu'on puisse pas grouper les ennemis. Parce que bon, dès comme ça, on pourrait se les faire direct. Hein. Ouais, la texture et l'anime, elle est rigolote, je trouve aussi. Hein. Bah c'est vrai que je peux accélérer un petit peu les combats. Mais bon. Bon allez, on va le... Tant pis, on arrête de voler des trucs. On les bousille. Et voilà. Vous voyez, donc là, on prend des petits PV à droite, à gauche. Chapeau cataplasme. Qu'est-ce que c'est? Alors, je trouve que... Il y a une foison, en fait, d'objets qui tombent, etc. Ouais, ma réussite baisse, mais ma défense et ma défense magique augmentent. On va prendre le chapeau. Les éléments, j'en ai déjà... Ah bah, d'ailleurs... J'en ai d'autres, j'en ai dispo des éléments. Aérodisque, j'en ai deux. Remède, pilule. C'est quoi pilule du coup? Récupérer des PV, pastilles, c'est quelques PV, d'accord. Et en fait, tout ça, ça va augmenter quoi. Au fur et à mesure, je vais en avoir plein. Donc ce sera vraiment une tactique de jeu quoi. Molas A. Tiens, c'est marrant, c'est Molas A maintenant. Ah non, c'est A et B, pardon. Bah oui, je suis bête. Donc c'est juste des molasses. Bim. Allez. Gros molasses. Hop,
Et normalement, ça devrait pouvoir le faire. Voilà. On voit vraiment la différence quand même quand on attaque avec les bons sorts. Quand on attaque avec les bons sorts, ça fait vraiment une différence, quoi. Ouais, moi je trouve ça bien vu. Je trouve ça bien vu. Après, voilà, pour ceux qui aiment bien faire de l'XP, augmenter les persos pour que bah, ce soit plus, entre guillemets, plus facile. Il y a une porte que je suis pas allé voir là-bas. C'est de là d'où je viens, peut-être? Ah, bah oui, c'est de là d'où je viens. J'espère que je pourrai trouver un truc pour sauvegarder. Eh bah c'est l'autre avec sa hache là. N'ouvrez pas ça, ouais bah c'est bon. Salut mec. Qui êtes-vous? Qui est ce dénommé Gaillette? Qui est le général Fleet? Parlez-moi du manoir. Qu'est-ce que cette flamme gelée? Ben, je sais pas. Attendez, on va regarder. Je suis pas sûr. Parce qu'on avait regardé, mais. Bon, déjà, on peut pas sauvegarder. Charger. La save auto. Si, apparemment, c'est ça, hein. 3h34-28, 3h34-39. Ouais, donc il y a des save auto, c'est bien. Tant mieux. Tant mieux. Alors. Bien vu, Zolotrix. Qu'est-ce que cette flamme gelée? C'est un secret de la plus haute importance. Dans les contrées nordiques, il y a déjà plusieurs générations que des rumeurs courent sur son existence. D'après la légende, elle est capable d'aider la vie à se développer, voire même à modifier le cours de l'histoire. Personne ne sait si c'est vrai. Merci pour toutes ces informations. Qui est ce dénommé Gaillette? Ce morpion, oh! Reçu pour mission de faire revenir le fantôme de ce gamin mort il y a 10 ans. Malheureusement, on a eu la compagnie et il s'est enfui. Je ne me suis pas enfui. M'a paru beaucoup trop humain pour un fantôme. Bah, c'est normal. Je ne sais pas ce que notre visiteur de Palpori lui veut. Ah, donc c'est quelqu'un qui me cherche en fait. C'est pas le. Bon, on va pas tout lui demander. Hein. C'est pas que lui. Bon, on va se faire la porte. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comme ça, il y a des ennemis qui me tombent sur l'arbre comme ça, quoi. Et de quelle couleur? Il y a du rouge. Ah, ils sont rouges. Ils sont tous rouges. Ok. Ça tombe bien parce que j'ai du bleu aussi. J'en ai tout de suite du bleu, ouais. Rayon aquatique, allez. Bim, ça fait vraiment une différence. Beaucoup plus simple à jouer. T'avais du bleu d'entrée de jeu, toi aussi. Voilà. Ah bah non, pas tout bleu. Mince, j'y étais. Lance de glace. C'est Michelin, je crois qu'il a pas de bleu, Michelin. Voilà, là vous voyez, tout le champ de bataille est bleu. Donc l'ennemi est clairement désavantagé en fait. J'imagine que ça lui baisse ses stats. Oh, on va faire un champ de gravité. Dès que je vais pouvoir le faire, je vais le faire celui-là. Fouillou!
Voilà. Comme ça qu'on gagne. Là, vous voyez, mes stats n'augmentent plus. Chapeau antitoxine. Allez, on va se faire la porte. Les stats n'augmentent plus, donc j'aurai la possibilité d'augmenter au prochain boss. Ah, il était quoi déjà? Il était jaune, lui. Hein. Ouais. Donc du vert, bah voilà, aérodisque, parfait. Il sort déjà des ennemis? Je crois qu'il doit sortir des ennemis à un certain niveau de points de vie. Ah, ils font mal. 4 dans son. Portergeist. Ça me fait beaucoup rire cette traduction. Il n'y avait pas de verre, hein, je crois, pour la petite Henriette. Hein. Non, il n'y avait pas de verre. Qu'est-ce qu'on va te claquer? Qu'est-ce qu'on peut te voler à toi? Exaltation. Oh, il a fait mal là. Et toi, tu as du vert aussi. Hop. Logiquement, je pense qu'il est fou, il est fini là. Ah, pas encore, hein. Solide. Voilà, c'est bon là. Tu meurs maintenant. Oh, il est solide. Bordel de Dieu. Du vert, du rouge, du vert, du rouge. Ah mince, il était aussi solide que ça tout à l'heure, lui. Ah, j'ai mal joué, là, j'aurais dû attaquer en deux direct. Par vert. Ça veut dire quoi? Je peux pas utiliser. Ouais, je peux pas utiliser le vert. Vous stressez jusque quelle heure? Jusque 18h. Ouais. Ah, enfin, il est mort. C'est le début de vos vacances, sous votre ex. Vous êtes déjà fatigué? Ouais, le Komodo, il est bleu. Ouais, c'est ça, jusque 18h à peu près. Ah, c'est bombe de magma qui touche tout le monde. Soirée électorale qui a duré tard. Bon, j'imagine que vous avez tout de même... comment dire, quelques éléments qui doivent vous faire plaisir dans cette élection. Car d'une certaine manière, un troisième pouvoir se dessine. Petit chat. C'est qui lui? Attends, on va pas le réveiller, on va d'abord aller prendre le coffre.
Zoa, c'est quoi ça? C'est qui ça? Mort au PS, ouais. Bah, il va pas me laisser prendre ce qu'il y a dans son coffre. Qui êtes-vous? Je suis Zoa. Je suis un des quatre valeureux d'Evas des Hussards d'Acacia. Ok, donc c'est un gros balèze. Ok, on peut pas prendre le coffre. Bon. Il n'y a rien d'autre à faire, apparemment par ici. D'ailleurs, qui fait la manche? Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça, ça m'a bien fait rire. Ah, bah on est revenu à cette salle-là. Quelque chose bloque le passage, ok. Bon. Bah du coup, par ici. La porte ne s'ouvre pas. Ah. Et ça là. Peut rien faire avec ça. Peut rien faire. Bon, on a dû louper quelque chose. On va lui reparler à lui là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qui est le général Ophide? Tête du clan Ophide, le clan qui gouverne ces îles depuis des générations. Ça ne s'arrête pas là. Lors de sa nomination à la tête des hussards d'Acacia sur le continent principal, il a fait grande impression et a été promu général, rien que ça. Depuis, il a quitté l'armée et il sert désormais le seigneur d'El Nido. Ok. Parlez-moi du manoir. Il y a 100 ans, d'accord. La colonisation de l'archipel d'El Nido a commencé. C'est un lieu qui inspire le respect. Bon. Et bah du coup, on va ressortir. C'est pas par ici qu'il faut aller? Bon là on est en garde, donc normalement on devrait être tranquille. Oui, un manoir qui inspire le respect, je trouve ça un peu con aussi, mais... Ah bah ça c'est la porte principale. T'as vu le type qui... Ouais. On dirait un animal. Donc il y en a un qui rend visite au maître des lieux, et c'est lui apparemment qui a demandé à trouver le fantôme de Gaillette. Alors si je vais sur un garde là, du coup c'est la bataille ou... Je peux lui parler hein. Ah non, si, il est d'accord. Ah bah y a un coffre là-bas. Un gant. Bon, on a loupé quelque chose parce que manifestement c'est par ici hein. On est rentré dans le manoir, c'est d'accord. On avait pris une... Voilà. On avait pris une mauvaise porte, je pense. Enfin, on avait pris une porte à droite. On peut peut-être essayer d'aller à gauche. Voilà. Ah, bah il est là, lui! Tu l'as encore déclenché? Combien de fois il va encore falloir que je te le dise? C'est vers la droite et vers la gauche. Ah, bah voilà! Oh, il y a un cuistot! Porsche. Vous voyez pas que je suis occupé? C'est Norbert commis d'office. D'enquêter? Bah t'es qui toi? Droite et gauche. C'est droite et gauche? Ah bah une sauvegarde. Droite et gauche. Hop, on va sauvegarder. Droite et gauche.
Alors, on n'oublie pas aussi qu'on est venu chercher un... Voilà. Voilà quoi. Une grande expédition va bientôt avoir lieu. La plupart des hussards y participeront. Ça sent pas bon, cette histoire. On n'oublie pas aussi qu'on est censé trouver un objet pour Michelin. Michelin, c'est dans la salle à manger qu'il faut aller. Cette plaque d'égout, là, ça sert à quelque chose? C'est verrouillé. Hein. Tiens, tiens, encore un nouveau personnage. Tout noir, d'accord. Alors ça, contrairement à ce que je pensais, c'est pas des ennemis. Faut choisir le coffre. On alterne, non, on va prendre le petit. Un cordon bleu. Ah mince. Bah du coup. Ah on se bat du coup? Ah merde! Ah bah c'est quand même des ennemis alors. C'est un cordon bleu? Je sais plus ce qu'on doit trouver. D'accord, donc comme j'ai pas trouvé le bon coffre, du coup on se bat. Ok, bon c'est original. C'est original. Bon, ça va refaire rien du tout. Ah, guide Michelin. Pardon. J'y étais pas. Alors, tu peux utiliser le verre? Voilà. Cinquante-sept, il est mort? Ah, il est mort. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on gagne plus aucun point, quoi. On est au max. Alors, et toi, t'es qui, toi? Zito chute, pas un bruit. Bon, ok. On se casse, hein. Ils dorment tous dans ce manoir? Ah oui, mais c'est la nuit. Allez! Sérieux, là! Encore un qui m'agresse. Ah, ils sont deux. Trois! Ah oui! Ça commence à faire du monde, là. Ils sont tous rouges, hein. Ouais. Bah, en fait, je crois que quasiment tous les persos qu'on voit sont des persos jouables. Je crois qu'il y a 40 persos jouables. Mais on ne peut pas tous les avoir en une seule partie, quoi. Ah bah non, pas rouge. Ouais, je trouve que c'est vachement sympa aussi, ça. Ça encourage à refaire le jeu, voilà, refaire entre guillemets les parties plus. T'as du bleu déjà ou pas, toi? Non. Ah, t'as pas de bleu du tout, toi. Bon, bah, champ de gravité, du coup. Hop. Fouillou! Ah, c'était excellent, la grosse tête de chauve-souris, là. Bien, c'était bien vu, ça.
Bon bah élément hein, direct. Hop. Ah non, on a déjà fait rayon aquatique. Eh bah un petit rayon de photon, allez. Vous voyez, comme c'est mon perso c'est blanc et le rayon de photo c'est blanc, je crois qu'il fait beaucoup plus de dégâts que si c'était Michelin par exemple qui le lançait. Allez. Ah, c'est lui là-bas qui bloque. Allez. Ah, j'aurais dû me charger en vert. Enfin, des fois, les angles de caméra sont pas bien pensés. Ah, on l'a pas encore rencontré cet ennemi là. Ça m'inquiète. Bon, en vrai, on va essayer de faire du lourd, du très lourd. Nul. Ouais, bon look. Je trouve que les ennemis ils ont des bons looks. Toi, t'as du vert de près, ouais. Pas encore utilisé. D'accord. Oh. Ouais, franchement, ouais. Boum, bien joué. Alors, Michelin. Faut prendre encore un petit peu de points, Michelin, là. Non, on peut pas encore. Prochain tour. Prochain tour, Michelin, il sort le... Voilà. Petit champ de gravité contre la porte, là. C'est le plus solide. Depuis tout à l'heure, le mort-vivant, il fait rien du tout. Il a pas attaqué une seule fois. Ah si, bah voilà. Suffisait que je le dise. 24! Ah ouais, il fait mal, lui. Et il est noir. Eh ben c'est parfait ça. Bah ben, c'est violet et bon, en vrai on y va. Hein. Hop. Météore. Direct. C'est vrai que le violet, alors, est-ce que c'est un noir qui est mal graffé? 109. Bam. Voilà pour la chauve-souris, hop. Voilà. T'es tout seul maintenant, mec. Qu'est-ce qu'on va te balancer? Un petit coup de baguette? Noir sur mort, normalement, il devrait pas prendre beaucoup de dégâts. Ouais, mais c'est vraiment violet. 77, bim, voilà. Ouais, la logique, c'est que c'est rouge et bleu. Hein. Je suis d'accord. Mais sauf ça voudrait dire quoi? Qu'il est immunisé à rouge et bleu? Enfin immunisé, que ça lui fait moins mal. C'est verrouillé, bah tiens, comme par hasard. C'est lui qui est bloqué, entrée interdite. Je dois refaire tout le tour.
On en a vu des ronds noirs, bah ouais, c'est pour ça. Droite et gauche, hein. Comment on fait pour remonter, du coup? Faut se retaper toute la route pour remonter? Forcer le passage? Allez, on force le passage. On l'a pas encore combattu, lui. Ça se trouve, on va le regretter. Il a l'air costaud, lui. J'en ai pas encore vu, des ennemis sciants. Ouh! Ah ouais, il fait mal, lui. Ah, je peux pas encore lancer le verre. Voilà, ça devrait le faire. Allez, aérodisque. Trois, ça c'est bien. On va lui mettre du bleu aussi. Hop, tout bleu. Voilà. Comme ça, il sera aussi sensible au rouge. Il a un bon look aussi, lui, hein. J'aime bien, moi. Ah, il a esquive, salaud. 23. 20. Oh, la vache. On va se soigner, hein. S'il me refait encore 40 dans les dents, là... Ah. Allez, t'as du rouge, toi, les balancer. Ouais, c'est pas... M'attendais à mieux. T'as pas assez, toi. Allez. Tac, tac, tac. Et là, voilà, champ de gravité. Allez, bim! C'est vraiment bien vu, je trouve. Putain, il est solide, hein. Ah, ça y est, il commence à peiner. Ah bah, il est mort. Ah, un petit coup de merde. Et on a trouvé que du cuivre. Merci. Il est revenu, lui ? Bon, non, on va pas le bastonner tout le temps. Voilà, puis là, on est revenu ici. Et on va s'arrêter là. Hop, je vais juste vérifier que c'est sauvegardé. Sauvegarde auto. Ouais, bon, en fait... Attendez, 4-32-06. 4-32-06. Donc là, je devrais avoir un petit peu plus. C'est pour vérifier qu'on refasse pas tout, quoi. 4-32-06. 4-32-24. Vous croyez que c'est vraiment comme ça les sauvegardes auto? Bon. On va dire que oui. On va dire que oui. Au pire, je réessayerai de charger tout à l'heure et puis...
M'énerve Steam, ce... Hop. Oui, c'est bizarre, je trouve aussi. Je réessayerai, puis au pire, bah, je referai ce qu'on a fait. Bon, et bah écoutez, moi, il me plaît toujours autant, ce petit jeu. Hein. Il me plaît toujours autant. Merde. Ça vous le fait aussi, oui? J'ai Steam qui revient tout le temps. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Ah, bon. Très bien, on est dans les temps, c'est parfait. Alors, Zolotrex, qu'est-ce que ça fait d'être libre? Avec le pad, bah, je pense aussi, ouais, mais je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison, normalement. C'est bizarre d'être libre. Ouais, je comprends. Mais bon, début d'une nouvelle aventure. Ah, je suis épuisé, en fait, là. Je suis complètement claqué. Ouais, c'est tout récent. C'est tout récent. Ça va se faire au fur et à mesure. Ah, bon, écoutez, je ne vais pas traîner. Merci d'avoir suivi ce live. On se retrouve, c'est vrai ça, on se retrouve quand? On se retrouve quand? On est lundi. Eh ben, on se retrouve demain. On se retrouve demain, toujours sur Chrono Cross. Et on se retrouve 18h30. 18h30, comme ça, on fera un bon 2h30. Sauf empêchement, mais normalement 18h30. Je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien pour votre émission de tout à l'heure. Comme je vous disais, a priori, je passerai pas. Mais on se voit mercredi, quoi qu'il en soit, sur votre émission. Une bonne soirée, bonne sieste, et puis à très bientôt. Allez, ciao!